Mesdames, Messieurs, chers collègues, nous sommes face à une loi qui est en discussion actuellement au Parlement, qui a été adoptée par les députés mardi 8 juillet, qui devrait être examinée à partir du 16 juillet au Sénat, qui, curieusement, mêle la représentativité des organisations syndicales et le temps de travail. Sur la partie temps de travail, nous avons assisté à l'adoption d'un amendement concernant les salariés en forfait jour qui porte le plafond légal de 218 jours à 235 jours. Ceci est tout à fait scandaleux. Nous avons connu, avec le dogme de la réduction du temps de travail, avec la civilisation des loisirs, des excès qui ont porté préjudice, notamment à l'organisation du travail, puisqu'on a vu en contrepartie de ces RTT qui n'ont pas touché tout le monde de la même manière, une intensification du travail. Beaucoup de nos collègues sont soumis à des rythmes de plus en plus soutenus, avec la pression des actionnaires, la pression du juste à temps, la pression du client. Aujourd'hui, le législateur qui devrait normalement avoir un rôle de garde-fou, de sauvegarde pour tous les salariés de ce pays, notamment dans le domaine de la santé publique, est en train de renvoyer le balancier extrêmement loin en faisant sauter tous les verrous concernant le temps de travail. 235 jours, le calcul est simple à faire. Vous ôtez aux 365 de l'année civile 104 jours dus aux 2 jours de repos hebdomadaire, plus les 25 jours correspondant aux 5 semaines de congés payés légaux, et le 1er mai. Ça fait 130 jours, 365 moins 130, 235. Ça veut donc dire que tous les autres jours de l'année seront potentiellement utilisés pour travailler. 235 jours, cela signifie travailler les jours fériés, le 14 juillet, le 15 août, à la Toussaint, le 11 novembre, à Noël, au jour de l'an, le lundi de Pâques. C'est tout à fait surréaliste, dans la mesure où cela fait sauter toute possibilité de congés supplémentaires, de jours de réduction du temps de travail, et on voit bien que c'est travailler toujours plus, pas forcément pour gagner beaucoup plus, puisque dans le même temps, le législateur annonce que les jours travaillés au-delà de 218 pourront être majorés d'au moins 10%. Je rappelle que les heures, pour tous les salariés qui sont en décompte horaire, lorsqu'il y a des heures supplémentaires, celles-ci sont rémunérées 25% de plus que le taux normal. On voit donc qu'on est face à des excès, et je parlais de ce couplage entre la représentativité syndicale et ses aspects temps de travail, parce que précisément, le législateur est en train de chambouler les relations sociales dans notre pays, le dialogue social, les conditions de son exercice, puisqu'il veut asseoir la représentativité des organisations syndicales sur l'audience, sur le résultat des élections dans les entreprises, le résultat des élections professionnelles. Nous savons tous qu'il existe des centaines de milliers d'entreprises qui concernent des millions de salariés dans lesquelles il n'y a pas d'élection de représentants du personnel. Il n'y a pas d'élection des PUCE, soit parce que ce sont des entreprises de moins de 10 salariés, soit parce que dans les entreprises de plus de 10, il y a des constats de carence, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de candidat qui se présente aux élections. Donc il n'y a pas de possibilité de négociation collective, d'intermédiation, de représentants des salariés, de contre-pouvoir que nous représentons en tant qu'organisation syndicale. Bien évidemment, concernant ce temps de travail, cela signifie que dans les entreprises en question, il n'y aura pas de possibilité de représentation collective, et donc ça sera une relation de gré à gré entre le salarié et son employeur. Dans un contexte où nous savons que la pression due à l'exacerbation de la compétition internationale, de la globalisation de l'économie, la pression encore une fois du client et de l'actionnaire, la pression du juste à temps, tout ça va conduire à faire peser sur les salariés de plus en plus de contraintes. Alors que dans le même temps, on nous parle benoîtement de la nécessité de préserver la santé des salariés, de se préoccuper des risques psychosociaux, de la montée du stress. Dans le même temps, le législateur ouvre toutes grandes les vannes pour permettre
d'aller toujours plus loin dans les rythmes de travail, l'intensité du travail et la durée du travail. Bien évidemment, nous comptons sur nos collègues présents dans les entreprises, nos délégués syndicaux, nos élus CE, nos élus DP, pour faire en sorte qu'il y ait une négociation qui évite tous ces dérapages. Mais songeons à ces millions de salariés qui n'ont pas la possibilité d'être représentés. Je compte sur vous pour alerter la Confédération, vos syndicats et fédérations CFE-CGC, de tout dérapage, de toute contrainte excessive qui serait proposée par l'employeur, de manière à ce que nous étudions toutes les ripostes que nous pourrons organiser. D'ores et déjà, nous avons décidé de saisir la Cour de justice des communautés européennes, à l'heure où la France préside l'Union européenne, pour faire condamner le gouvernement, car on voit bien qu'il n'existe plus, en fait, comme garde-fou, que les directives ou les recommandations européennes qui ne sont pas très contraignantes, puisque bien évidemment, c'est un juste milieu trouvé entre les 27 partenaires de l'Union européenne. Il n'y a plus que le maxi des 11 heures de repos entre deux postes de travail. On peut donc travailler 13 heures par jour lorsqu'on est en forfait jour. Et je vous invite à sensibiliser tous nos collègues pour qu'enfin ils prennent conscience de l'importance de se syndiquer à la CFE-CGC, d'organiser une action collective pour faire en sorte de préserver les conditions de travail, la santé au travail, et faire en sorte qu'il y ait de justes contreparties à se travailler toujours plus, pas forcément pour gagner plus. C'est une formidable occasion pour nous de sensibiliser tous nos collègues, de renforcer nos rangs, d'organiser le contre-pouvoir dans un esprit constructif, comme sait toujours le faire la CFE-CGC, mais il est temps, enfin, de ne plus laisser reposer la défense des intérêts collectifs que sur les quelques bonnes volontés qui se manifestent ici ou là. Je sais que vous êtes l'incarnation de ces bonnes volontés, mais vous devez recevoir du renfort à l'occasion de ces dossiers sociaux qui deviennent de plus en plus préoccupants pour les conditions de travail dans notre pays.